Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nouveau vlog déménagement. Et là, on va être dans le cœur du sujet puisque le déménagement a lieu dans 2 semaines. J'ai réservé cette journée du vendredi pour avancer. J'ai une copine qui va venir à midi pour m'aider. Donc voilà, le thème du vlog c'est déménagement. Demain, je pars à Lille avec Nike pour courir. Je sais pas ce que j'arriverai à filmer puisqu'en même temps je dois aussi réaliser des contenus sur Insta. Je vais vous faire un petit réel recap. Peut-être que j'arriverai pas à être au four et au moulin, mais ça va être cool. Et semaine prochaine, il y a le Meet and Move. Wouhou ! À Rennes. Donc trop contente de ce qui se profile dans les prochains jours. Là, ma mission, c'est de prendre en photo tout ce que je veux vendre et les mettre sur le bon coin direct. Pas déjà tant de machin. On avance. Petit point à 15h. Alors il y a un artisan qui est en train de changer une fenêtre. On a mis beaucoup de choses en vente sur le bon coin. Ça commence à partir. Et là on va s'attaquer à un gros morceau qui est le tri de tous les vêtements. On vous embarque dans cette mission. Tous les doudous. Que ce soit les trucs de rando qui sont là. Et donc là, affaires d'été que je garde. Ok. On commence par quoi? Ayez des amis comme ça. 15h, on démarre. À quelle heure allons-nous terminer? Comment ça? Dans ce truc? Tu veux pas commencer par ça? Ah, mais je croyais qu'avec ça, ça me donne le cafard. Intense, on a vraiment bien avancé avec Jojo, je suis trop contente. J'ai vendu vraiment pas mal de trucs. Là, les gens de Le Bon Coin doivent venir tout chercher. Il y a un monsieur qui vient chercher ma table. Adieu, table d'amour. Je t'ai beaucoup aimé. Ce matin, c'est à la maison, continuer les cartons. Et à 14h, j'ai mon train pour Lille. Et je vais complètement switcher. Va falloir que je passe en mode semi-marathon. Je vais oublier cette heure de déménagement pendant 24h. Parce que sinon, je sens que pendant la course, je vais pas être dedans du tout. Déjà, quand la table n'est plus là, ça va un peu mieux, non? On dirait pas. T'as pas trop galéré à venir, ça va. Pour le 8ème, c'est grand, je suis vraiment oui, à l'autre. Merci pour la ronde. T'es bien placée en vrai. J'étais bien placée. Salut! Bonjour! C'est bon niveau les chaises, c'est ça? Oui, c'est oui, ok. J'ai reçu
aussi de jolies pièces de seconde main. Franchement, la sélection, elle est hyper cool. J'ai trouvé ce pull sans manches. C'est un pull de golf qu'elle a récupéré. Et vu que je pars avec Nike tout à l'heure, je l'ai mis aujourd'hui. Je suis trop contente. Un joli pull Lacoste, hyper coloré. Trop, trop bien pour le printemps. Ça va être trop mignon. Et j'ai pris aussi un sweat Bordeaux. Je vous mets le site en barre d'infos parce que franchement, les pièces sont de très, très bonne qualité. Et la personne qui tient ça est trop, trop gentille. Donc voilà. Je laisse mon appart dans cet état. Il n'y a plus le tapis, plus la table basse, plus la grande table, plus de chaises. On respire un petit peu, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. C'est parti, veille de course. On va se faire un petit run de 3 km, juste pour dégourdir un peu les jambes, avant la course de demain. C'est parti. On va partir quand on sort à gauche, essayer de suivre Maë et moi. On va partir vers le côté du boulevard de la Liberté. C'est le grand boulevard par lequel on est venu par la gare. Il est 6h50. Je me suis préparée, maquillée un petit peu. Ça me donne confiance en moi. Je vais m'habiller pour la course et aller petit déjeuner. J'ai petit déjà 7h pour avoir le temps un petit peu de digérer. Et la course commence à 9h. Elle est là! Je suis exténuée et en même temps toujours excitée de l'avoir fait malgré la douleur. C'était pas prévu au programme, mais j'ai eu méga mal au genou. Ça fait au moins un an que j'ai pas eu mal au genou en courant. Mais ça m'apprendra à ne plus aller aux entraînements Nike. Je vous avais dit, ces entraînements-là, ils sont importants. Le renfort, c'est dur 21 km. Faut aller le chercher à un moment dans la tête. Et j'ai été épuisée là-dedans parce qu'au bout du 9e kilomètre, j'ai eu mal au genou. Il en restait 12. Mais le coach Maxime m'a beaucoup aidée à penser à autre chose et à terminer à l'allure que je voulais, 5-15. J'ai 5 minutes pour ranger toute la chambre et faire le check-out. Aïe, 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 aïe. J'ai tout vidé pour mieux recommencer. Bonjour tout le monde. Je vais pas beaucoup vloguer aujourd'hui parce que j'avoue que je suis dans un état de fatigue physique et mentale également. Je me suis fait un peu mal pendant la course et du coup... Enfin, je boite là, c'est chiant. On va y aller mollo sur le sport cette semaine. Je vais me faire une petite journée comme je les aime, c'est-à-dire aller bosser, mais dans un café, avec un petit thé, et ça va être très sympa. Des colliers à récupérer pour l'événement de jeudi qui approche. Voilà. La satisfaction de commencer un nouveau carnet. J'ai été dans une trop jolie papeterie à Rennes. Je voulais y rentrer depuis des semaines. Et à chaque fois, je résiste. Je me dis, attends d'avoir besoin de quelque chose, sinon tu vas faire des bêtises. 21€ ce carnet. Il va. Il est sublime. J'ai terminé celui-ci, qui était un Moleskine classique. J'ai commencé ce carnet en janvier 2022 à New York. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'en parlais dans un vlog de janvier 2022 où j'étais partie à New York et j'avais attrapé le Covid là-bas. Et bref, en vrai, il m'a fait un an et demi. C'est mon carnet de taf. Direction Paris ce matin, je fais l'aller-retour dans la journée, donc à 21h40 ce soir, je suis dans cette salle de bain. À tout à l'heure. 11h46, je viens d'arriver chez moi, je fais un petit tour du bazar. C'est comme ça, ma cuisine est dans cet état. J'ai jusqu'à 19h pour métamorphoser cette cuisine, c'est parti. Là, ça va être dur. Dur de faire des choix. Thank you.
Il est 17h53 et j'ai vraiment trop avancé. J'ai pris tout ça en photo pour mettre sur le bon coin. Tous les petits trucs là aussi. J'ai un peu rassemblé les cartons, etc. Je m'occuperai de tout ce qui est petite déco la prochaine fois. Parce que j'en peux plus. 21h35. Je suis de retour. On a reçu les derniers petits goodies pour le Meet & Move, qui est dans 2 jours. Et là, ça vient de Laura, de la marque Gigi, qui est une marque que j'adore et qui va vous gâter de petits chouchous. Oh, celui-là, je l'ai. Une petite sélection de plein de chouchous. On a tout. Mercredi 18h, je suis en pyjama, ne posons pas de questions. J'ai commandé des petits trucs. On a commandé des petits trucs ce matin, dont la bibliothèque de nos rêves, une bibliothèque sur mesure. J'ai commandé sur Ikea ces petites étagères qui servent à plein de choses normalement. Je crois que c'est dans la catégorie étagère porte-photo. Ma réserve de produits de beauté devra tenir dans ces 2 étagères. Il faut que je réfléchisse où j'ai envie de les mettre. Voilà, en tout cas, j'étais super contente. Trop bien. On repassera de toute façon par vous pour les prochains. Ouais. Les petits chouchous. Voilà. Cute. Tu les as tamponnés alors ? Non, pas encore. J'étais persuadée que t'allais le faire. J'étais un peu triste d'ailleurs. L'événement commence dans un peu plus de 2 heures et il nous manque des petits cadeaux. En fait, en dernière minute, on a eu l'idée de faire un petit quiz avec Jojo. On adore les jeux de société. Du coup, on s'est dit que pendant la soirée, on voulait faire 2 teams et faire des petits quiz sur plein de trucs. Mais il nous faut des petits lots. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Je vous pose là sur les nouvelles étagères au lendemain du Meet & Move, mon premier événement rennais qui s'est extrêmement bien passé. Je suis trop ravie. Depuis hier, je suis reboostée. Ça a été quand même quelques semaines de préparation avec l'aide énorme de Yves Rocher, donc j'en profite pour les remercier d'avoir accepté ma petite
Propal et d'avoir gâté les 15 filles. Franchement, elles sont reparties avec des tote bags remplis de produits, que des trucs hyper cool que j'ai eu l'occasion de tester. Le lieu, le cours de yoga, pas pour me lancer des fleurs, mais franchement, je suis super contente de cette édition. Et j'ai déjà hâte de commencer à bosser sur le prochain. J'ai donc rencontré 15 Rennaises, ça m'a fait trop plaisir et ça m'a fait aussi un peu du bien de rencontrer des gens ici parce que, bah, mine de rien, à part mon copain de base, je ne connais personne. Maintenant, je connais ses amis et on s'entend très bien. Je fais ma petite vie ici, mais pour l'instant, bah, j'ai pas fait trop de rencontres extérieures à ça. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir de rencontrer autant de chouettes filles en même temps. Et pour celles qui sont venues, merci beaucoup d'avoir été là et j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est pas un exercice facile en plus de venir à un événement seul. Vous avez joué le jeu, vous êtes trop bien entendus ensemble, donc franchement, trop bien. J'avais ma copine Jojo avec moi pour m'aider et là elle est encore là jusqu'à 16h à peu près. Donc dès qu'on a fini de bosser, on va aller manger dans un café, enfin un resto que j'adore, le Saint-Germain, je vous l'ai déjà montré. Et ensuite on va se balader dans Rennes, c'est sa première fois. Et donc là, faut que je donne tout là, faut que j'aille la balader. La météo est avec moi, donc incroyable. Aussi j'avoue, ça m'a fait trop du bien, le temps d'une journée, de ne pas penser au déménagement. Parce que là, ça fait quelques semaines que je pense qu'à ça. J'étais coupée, j'avais l'impression d'être posée dans ma nouvelle ville. La réalité me rattrape, puisque là, faut que je gère le compte Le Bon Coin. Oh, hier matin, j'ai mis 50 annonces d'un coup. Et vous êtes folle dingue, parce que presque tout est parti. On se prépare pour aller à la mer. Hyper longtemps que je suis pas allée et j'en ai très envie. Avant d'attaquer la dernière semaine de déménagement, on va aller courir un petit peu au bord de l'eau et ensuite se faire un petit pique-nique, je pense. J'ai pas couru depuis dimanche dernier, donc ça fait une semaine que j'ai pas fait de sport et ça m'a fait du bien. Donc on va voir comment ça se passe là. Je pense qu'on va aller tout doux avant de réattaquer les entraînements plus réguliers. Je participe en avril à l'Urban Trail. C'est une course dans la ville où tu traverses des monuments. Je fais 14 km et il y a 2200 marches. Il va falloir que je m'entraîne parce que vous savez, moi, tout ce qui est dénivelé, côte, je déteste. Mon corps déteste, mon cardio déteste. Donc, il va falloir que je m'entraîne un peu. Après l'effort, nos petits pique-niques. Comment on fait ? À La Réunion, on a traversé plus impressionnant. Ouais. On peut le faire. C'est exactement pour ça que je veux emménager ici. Elle commence.